bienvenue dans le PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zeb, créateur du blog Safety Vigilante, et je vous accueille aujourd'hui pour un nouvel épisode. Mon nouvel invité est Mickaël Mouret. Mickaël est le vice-président santé, sécurité et sûreté du groupe Systra. Systra est un groupe de conseil et d'ingénierie leader mondial dans le secteur des infrastructures de transport public. Mais Mickaël est également l'auteur du livre « Révolutionner la santé et la sécurité au travail ». Donc on attaque tout de suite avec Mickaël. J'ai évolué dans plusieurs environnements, dans les collectivités territoriales, dans le secteur pétrolier et puis maintenant dans le secteur des transports. Ah oui, donc vous avez vu beaucoup de domaines différents. Comment vous êtes arrivé à la prévention finalement ? J'ai fait des études dans le domaine de la prévention pour devenir officier pompier. Et puis, c'est pendant mes études que j'ai découvert les autres métiers en fait. D'accord, c'était par opportunité qu'après que vous avez continué Ben exactement. C'est vrai qu'en général, on n'entend pas trop parler de la prévention des risques. En tout cas, à l'époque, on n'entendait pas beaucoup parler. Donc moi, je n'ai connu ça que parce que j'ai souhaité devenir officier-pompier. Mais sinon, c'est vrai que ça faisait pas partie des métiers qui étaient très en vogue ou dont on entendait parler quand on était au lycée. Hein. Et donc, vous êtes resté dans la prévention. Et qu'est-ce qui vous y a plu alors pour y faire toute votre carrière ? C'est un métier qui est quand même tourné vers l'humain, c'est un métier qui est opérationnel, c'est un métier où il faut apprendre à générer l'enthousiasme, à fédérer, c'est un métier où on peut transformer l'entreprise de l'intérieur en structurant un système de management. Et donc pour en venir à votre activité actuelle, donc déjà dans quelle entreprise vous êtes aujourd'hui et quel est votre rôle Je travaille pour Systra, qui est un groupe de conseil d'ingénierie. C'est le leader mondial de la conception des infrastructures de transport. Donc, qu'il s'agisse de métro, de tramway, de lignes à grande vitesse, de ferroviaire classique, ou encore de la conception d'ouvrages de génie civil. Ça peut être la construction de ponts, de gares, etc. Je suis vice-président en charge de la santé, la sécurité, la sûreté, la gestion de crise et la protection de l'information également. Et du coup, ça se caractérise comment alors dans vos activités quotidiennes, toutes ces responsabilités ? C'est essentiellement un travail collaboratif. Alors, j'ai la chance d'avoir une super équipe. Donc, mon travail, c'est d'essayer de les soutenir dans leurs initiatives, dans leurs projets, qu'il s'agisse de la protection du staff de l'entreprise ou de la protection des entreprises qu'on supervise en tant que maître d'œuvre ou maître d'ouvrage, ou encore qu'il s'agisse de la sécurité technique, la sécurité des procédés, etc. Donc, on a établi ensemble avec mon équipe une roadmap pour passer une marche dans le niveau de maturité sur tous ces thèmes. Et mon travail, c'est de supporter chacun des membres de mon équipe, de mettre un peu les pieds dans la boue pour réussir quelques percées. Et je dirais que c'est aussi un contact permanent avec les opérationnels. Je crois que c'est le sens premier du job, que faire en sorte qu'un maximum de choses se passent bien pour les opérationnels. Voilà, contrairement à ce qui la présentation un peu habituel de la santé et la sécurité qui est souvent défini comme faire en sorte qu'un minimum de choses se passent mal. Voilà, moi je pense que notre job premier, c'est de faire qu'un maximum de choses se passent bien pour les opérations. Et du coup, pour vous, les opérationnels, pour bien que je comprenne, c'est ceux qui seront amenés du coup à utiliser ou à construire les infrastructures, par la suite. Ouais, exactement. C'est les gens qui conduisent toutes nos opérations, qu'il s'agisse du design de solutions de transport ou de la construction, ou encore de la supervision de sites de construction. D'accord, c'est humain que vous intégrez tout ce qui est maintenance, exploitation habituelle, des choses comme ça, quoi. Ouais, absolument. Ok, d'accord. Je cerne plus clairement cet aspect parce que ça me parle, mais je baigne pas directement dedans, donc je vois plus. Ok, et comment vous qualifieriez la culture de votre entreprise là-dessus sur ces thèmes de sécurité et de prévention ? Alors c'est difficile de définir en quelques mots une culture. La culture, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on fait, c'est ce à quoi on croit, donc bon, c'est beaucoup de choses. Si je devais résumer en quelques mots, je dirais qu'on a une culture qui est
positive déjà, c'est-à-dire on cherche à changer l'image d'une SST administrative, bloquante, contraignante, pour plutôt imaginer une SST qui est dans le support, dans la facilitation, dans la coopération, la coordination, etc. Après, simple, c'est-à-dire une culture comprise de tous, et une culture responsabilisante, une culture décentralisée, donc c'est-à-dire donner de l'autonomie à ceux qui font, et bien sûr avec l'autonomie vient la responsabilité. Alors évidemment la culture elle est pas parfaite, mais notre culture elle évolue non-stop, et je crois pouvoir dire que l'évolution de l'entreprise elle se fait à pas de géant aujourd'hui. Et du coup, alors, comme vous disiez, elle est facilitatrice et elle est positive. C'est-à-dire que elle est pas, enfin, la sécurité et la prévention, elle n'est pas perçue comme une couche, pardon, d'exigence supplémentaire. Elle est intégrée dans vos projets. Ouais, c'est vraiment le but, c'est-à-dire qu'on arrête de définir la santé et la sécurité comme quelque chose qui se fait en plus, comme une activité à côté de l'activité opérationnelle habituelle. C'est effectivement quelque chose d'intégré. Moi, je suis le premier à vouloir intégrer tout ce qu'on fait. Imaginez une SST qui se crée dans son coin et qui est définie dans un bureau où tous les sachants ou un collège d'experts va définir ce qui doit se faire sur le terrain. En général, c'est pas quelque chose qui peut fonctionner. Donc, si on veut avoir une santé, sécurité qui est vraiment opérationnelle, il faut qu'elle soit absolument intégrée, c'est-à-dire qu'elle est intégrée à un système de management global de l'entreprise. Et dans cette façon de percevoir et du coup d'animer la sécurité, il y a une place pour l'innovation dans votre entreprise, une façon de stimuler un peu les idées sur ces thèmes-là? Alors oui, tout dépend de comment on définit l'innovation. Chez Sistra, on n'a pas développé de gants bioniques ou d'applications prédictives ou quoi que ce soit d'autre, mais pourtant, je dirais que chez Sistra, l'innovation, elle est partout. On cherche à développer l'autonomie et la simplicité de notre système de management, et c'est ça qui mène vraiment à l'innovation au quotidien. C'est-à-dire que moi, ce que j'appelle l'innovation, c'est des petites améliorations, c'est des bonnes pratiques qui, lorsqu'elles ont du sens, se répandent comme une traînée de poudre au sein du groupe, et là effectivement on a des innovations au quotidien. D'accord. Bah je suis content parce que ça répond complètement à ce que j'avais mis derrière ce point que je voulais aborder. Parce qu'en fait, je pense que de nos jours, quand on dit innovation, c'est forcément une application, quelque chose de tech, de développé sur un ordinateur ou autre. Alors qu'en fait, une innovation, pour moi, c'est vraiment une nouvelle pratique ou quelque chose qu'on a identifié mais qu'on n'arrivait pas à résoudre. Et comment faire que les gens se lavent plus souvent les mains? Enfin, je sais pas, c'est des choses actuelles, mais c'est une innovation en tant que telle parce que on s'est vraiment interrogé sur le problème. Et si vous avez cette même vision, je suis encore plus content de ça. Mais c'est vraiment le sens que j'avais derrière ça. Yes. Et du coup, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure. Alors, cette vision, elle est insufflée par la direction ou justement elle est venue du VP et après elle a continué à être partagée par la direction. Je veux dire que j'ai de la chance chez Sistra, il n'y a pas de débat sur l'importance à donner à la santé, la sécurité, la sûreté. Toute l'équipe de direction pousse dans le même sens. Donc, d'ailleurs, c'est une condition sine qua non à mon sens. Hein, enfin, j'ai beaucoup de lecteurs qui, après avoir lu le livre, me disent oui, mais pour moi, c'est difficile parce que j'ai une équipe de direction qui est désengagée. Et j'avoue que je suis en empathie avec ces gens parce que, bon, évidemment, on peut faire des choses si l'équipe de direction est pas engagée. Évidemment, on peut transformer une partie de l'entreprise avec en tout cas ses proches collaborateurs, etc. Mais les progrès sont longs, sont lents, ils sont inégaux, et donc je pense que la condition sine qua non, c'est d'avoir une direction qui est engagée. Moi, je dois dire que il n'y a pas de débat sur ça. D'accord, ça permet aussi d'avancer plus vite, mais après, enfin, je pense qu'il y a aucun dirigeant qui dirait qu'il n'est pas engagé, mais quand on lui présente les choses à mettre en place, il a peut-être plus de mal à comprendre. Après, il faut le responsabiliser, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, je ne pense pas qu'il y ait de personnes qui disent, bah non, je ne veux pas mettre en sécurité mes employés. Ouais.
Déjà, je suis convaincu de ça. Je suis convaincu qu'il n'y a pas de, y a personne, il n'y a aucun dirigeant au monde qui se fout de la santé et la sécurité de ses employés. Il peut y avoir des dirigeants, ça, j'ai pu en rencontrer dans ma vie, des dirigeants qui mettent pas le curseur au bon endroit ou qui ont une stratégie qui peut s'avérer délétère dans le temps. Et ça, je pense que c'est un peu notre rôle en tant que professionnel de la SST d'expliquer les pièges à éviter, les contraintes que peuvent générer telle ou telle attitude. Mais je pense que d'une manière générale, personne n'a d'intérêt à ce que la santé et la sécurité de son personnel soient en jeu. Ça, c'est sûr. Alors du coup, ça me fait une transition parfaite justement pour le gros sujet que je voulais qu'on aborde. C'est vous parliez de placer le curseur au bon endroit, pardon. Donc j'imagine que c'est des choses qui ont dû alimenter votre réflexion et après je sais pas comment ça arrivait, mais enfin comment en tant que préventeur et en tant que personne qui voilà. Fait avancer les domaines de la sécurité et de la prévention, on se dit un jour, finalement, ce qu'il faut, c'est écrire un ouvrage pour poser mes idées. C'est, à vrai dire, il y a encore 2 ou 3 ans, j'aurais jamais cru que j'écrirais un livre. C'est la lecture d'un livre sur les organisations qui s'appelle Reinventing Organization, qui m'a fait me dire, tiens, effectivement, je suis assez à l'aise avec les préceptes qui sont proposés dans le livre, à savoir que le savoir, il est parmi les employés, il n'est pas forcément au plus haut niveau de l'entreprise, que l'autonomie peut faire des miracles, que décentraliser, simplifier un système de management, c'est vertueux. Et donc cette question-là, qui me semblait assez pertinente, je voyais difficilement comment elle pouvait s'appliquer à mon domaine, le domaine de la santé et la sécurité au travail, qui était un domaine assez vertical, assez command and control, à savoir, ben voilà, on définit dans une procédure la façon dont il faut travailler, les gens doivent l'appliquer, s'ils l'appliquent bien, on les récompense, s'ils l'appliquent mal, on les sanctionne. Et c'est finalement la logique avec laquelle j'ai été éduqué. Et je voyais pas comment, avec cette logique qui n'était pas vraiment basée sur la confiance, on pouvait réussir à faire tourner une entreprise avec un modèle plutôt décentralisé où la confiance était centrale, était une valeur capitale de l'entreprise, etc. Et donc, ça m'a amené à réfléchir, puis surtout à investiguer, à regarder si certaines entreprises avaient réussi à relever ce pari. Et donc j'ai fait ce travail dans un premier temps pour moi. Et puis, quand je me suis aperçu que des entreprises avaient des bonnes pratiques qui me semblaient vraiment intéressantes et vraiment facilement reproductibles, je me suis dit que ça avait un intérêt de le partager au plus grand nombre. D'accord. Et moi, ce que j'ai le plus apprécié dans le livre, c'est les petits exemples sur les choses aberrantes, sur les échelles, les choses comme ça. Il y en a une qui m'a marqué, c'est celle de l'ampoule, je crois. Il y a pas mal de choses comme ça. Et en fait, en tant que HSE, notamment quand on débute, il y a des choses comme ça qu'on est capable de nous-mêmes de comment dire de recommander ou pour lesquelles on est prêt à prendre position. Et quand on les lit, en fait, je pense qu'il y a une sorte de moment où on se met en recul et on se dit, ah ouais, mais en fait, c'est vrai que c'est aberrant. Enfin, il faut prendre conscience un peu de où est l'intelligence et où est le risque aussi, et comment est-ce qu'on avance dans une organisation, quoi. Ça, c'est pour moi, c'est le gros plus, hein. J'ai connu dans le secteur pétrolier, enfin des gens qui ne voulaient même pas parler à quelqu'un qui était dans le domaine de la santé et la sécurité, parce que c'était vu comme la personne qui empêche de travailler dans des conditions normales, ou la personne qui ajoute de la contrainte, ou la personne qui apporte des obstacles, etc. Il y a quand même une partie réglementaire ou juridique qui, en tout cas, moi je le vois dans mon activité, qui prend énormément de place et qui fait perdre du sens sur nos actions. Oui, c'est vrai. Alors, enfin, d'ailleurs, moi, je trouve que ça va un peu au-delà de la partie réglementaire, parce que
Mais finalement, la réglementation, elle est, enfin, elle me semble pas, en tout cas en France, hein, je travaille dans un groupe international et donc on n'a pas affaire qu'à de la réglementation française. Mais j'ai pas le sentiment qu'en France, la réglementation soit un poids incroyable. J'ai surtout l'impression que les grands groupes se créent. Se crée de la contrainte en fait. Souvent, les choses que font les actions qui sont menées par les grands groupes sont des interprétations des textes dont l'esprit n'est pas forcément de monter des usines à gaz. Alors, pour le coup, je pense que ça dépend du contact régulier ou non qu'on peut avoir avec l'inspection et l'inspection du travail et le ministère du Travail. Pour connaître un peu ce domaine-là, chez moi c'est pas mal le cas, donc effectivement c'est un challenge quotidien. Mais après pour d'autres entreprises, peut-être qu'effectivement il y a ce poids de la réglementation qui paraît plus lointain et qui nécessite pas d'avoir autant oui d'interprétation, de systèmes mis en place et autant de lourdeur effectivement. On n'a pas vu beaucoup de chefs d'entreprise en prison parce que quelqu'un s'était électrocuté chez soi pendant une période de télétravail. Non, alors effectivement non. Mais là, de nos jours, je pense pas qu'il y aura beaucoup de poursuites, mais c'est possible qu'il commence à avoir beaucoup plus de cas parce que finalement le sujet du télétravail, il prend de l'importance depuis ces dernières années, mais là, vu qu'il est presque généralisé à tous les postes en capacité Oui. 2. Alors pour moi, il y a deux choses. Pour rester juste franco-français sur le sujet réglementaire, il y a la question de la reconnaissance en accident du travail. Ça reste un enjeu, en tout cas pour les grands groupes, qui va pas tuer l'entreprise. Et ce qui, en revanche, sclérose un peu les entreprises et fait mener des actions qui ont plus trop de sens, c'est le risque pénal. Et là, j'ai peu d'inquiétude si le risque est lié à l'environnement de travail, c'est-à-dire au domicile de la personne. On se génère un stress sur un enjeu pénal qui n'existe pas toujours. Non, c'est intéressant de voir votre vision parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes organisations et effectivement, je pense qu'il n'y a peut-être pas la même perception par rapport à ça, mais pour autant je vois très bien votre point de vue et effectivement c'est possible qu'il y ait une sorte de, je sais pas, on augmente peut-être le risque par rapport à ce qu'il est vraiment et après on prend des actions qui finalement perdent en, on y revient, mais perdent un peu en intelligence et en cohérence avec ce qui est vraiment risqué et du coup ça me rappelle dans votre livre vous en parlez, c'est à un moment, vous rencontrez je ne sais pas si c'est un chef d'usine qui dit moi, j'en fais pas de la sécurité. Alors qu'en fait, quand vous voyez travailler, vous voyez bien qu'il en fait de manière constante. Parce que finalement, la sécurité, elle a un peu perdu de sens. Et que lui, ce qu'il fait, c'est. Enfin, ses actions, elles ont du sens. Mais du coup, il ne veut pas les lier finalement à la Oui, sécurité. et je dirais que ça, c'est la faute de l'entreprise, puisque l'entreprise définit la santé et la sécurité comme bien rapporter ses KPI ou comme faire du reporting ou des activités administratives qui ont peu de sens pour ces gens-là. Et ça, c'est ce que représente la santé et la sécurité. Alors que cette personne, en l'occurrence, était un formidable manager, faisait des visites de terrain régulières, communiquait avec son personnel, s'assurait de la compétence de son personnel, les former quand c'était nécessaire, faisait du troubleshooting, etc., etc. En fait, tout ça, pour moi, c'est de la santé et la sécurité. Et effectivement, il en faisait bien. Mais il avait pas l'impression de le faire correctement parce que c'était pas l'attendu, en tout cas, de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise mettait le focus sur de mauvaises choses, sur des routines managériales qui relevaient plus de l'administratif et du juridique que sur la routine managériale de management. D'accord. Et ça, c'est le genre d'exemple, je pense, qui marche bien et du coup qu'on retrouve pas mal dans votre livre. Et moi, je me disais que finalement, après, enfin, et après quoi, du coup, quand on a fait un tel livre, parce que moi, je vois, je publie régulièrement des choses et quand je publie quelque chose sur votre livre, il y a beaucoup de gens qui réagissent parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont lu. Après, qu'est-ce qu'on a envie de produire? Est-ce qu'on a envie de produire
une académie de la sécurité avec une approche différente de la prévention, un autre livre. Qu'est-ce qu'il y a après? J'ai beaucoup de propositions, j'ai beaucoup d'initiatives en fait qui viennent à moi. En l'occurrence, moi vraiment là, ce qui me motive, c'est de transformer mon entreprise, mettre en œuvre en fait les préceptes qui sont évoqués dans mon livre dans une entreprise qui a encore beaucoup de chemin à faire. Et donc voilà, je serais content de réussir à faire gagner un seuil de maturité à l'entreprise pour laquelle je travaille aujourd'hui, et puis je sais pas de quoi demain sera fait, peut-être effectivement l'écriture d'un autre livre, peut-être sur un autre domaine. J'avoue ne pas y avoir trop réfléchi pour l'instant. D'accord, donc plutôt la transformation interne, bon, enfin c'est ce qui vous motive en ce moment. Et absolument. Et moi je vois qu'il y a aussi, comme je disais, il y a beaucoup de réactions par rapport à cet ouvrage. Est-ce que également vous pouvez avoir des retours négatifs des fois sur ce que vous avez publié? J'en ai pas eu. Sur les retours que j'ai beaucoup de personnes qui me disent avoir du mal à mettre en œuvre parce que leur direction n'est pas forcément impliquée ou parce qu'ils ont du mal à utiliser ces arguments ou les stratégies qui sont définies dans le livre. Ça peut arriver. En revanche, j'ai pas eu de retour trop négatif. Je dis pas que toutes les solutions sont bonnes. D'ailleurs, en fait, moi, je suis convaincu qu'une bonne démarche peut s'avérer être une démarche horrible dans une autre entreprise, parce que ce qui compte, c'est pas vraiment la démarche de prévention qu'on met en œuvre. Ce qui compte, c'est comment on la met en œuvre et par qui elle est mise en œuvre. Par exemple, mettre en place un point santé-sécurité au début de chaque réunion, c'est peut-être une super idée dans une entreprise qui a mis en place une approche très collaborative, etc. Et ça peut être une très mauvaise idée où on fait dans une entreprise où on va faire ça de façon très machinale, très systématique, où finalement on se retrouve avec des managers qui commencent la réunion en parlant toujours de où se trouve l'extincteur et où se trouvent les issues de secours, ce qui n'a aucun sens. Et dans ces cas-là, on voit simplement des gens qui lèvent les yeux au ciel pendant le point sécurité. Donc en fait, je suis convaincu que le livre, même s'il a un parti pris, reste quand même assez ouvert et donne pas, enfin, prête pas trop le flanc à la critique. C'est peut-être la raison pour laquelle j'ai pas reçu de critiques négatives pour l'instant. J'en ai pas lu non plus. Beaucoup de gens qui étaient très, très contents qu'ils l'avaient lu ou qui justement avaient hâte de pouvoir le parcourir. Mais effectivement, à date, j'en ai pas trouvé. Mais vous avez dit un truc sur les messages sécurité qui résonnent beaucoup en moi parce que effectivement, je le vois beaucoup cette situation actuellement et auparavant. Ce côté, on a dit qu'on faisait tous des messages sécurité, donc on le fait en début de réunion, de chaque réunion, et finalement on perd complètement le sens. Bon, après ça revient à ce qu'on a dit un peu tout le long, mais enfin, on ne sait pas où placer ce curseur de la sécurité, donc on en fait parce qu'on nous a dit d'en faire, et après on perd en pertinence, et je pense qu'au moment où on voudra communiquer quelque chose d'important, bah là, peut-être qu'on aura perdu cette attention qui peut-être était là au début. Je suis convaincu de ça. Je suis convaincu que cette routine managériale qui est de commencer chaque réunion par un point systématique sécurité, ça peut être une bonne idée, mais vraiment, vraiment dans certains cas et avec certaines cultures d'entreprise. Quand c'est une idée qui émane d'une salle de réunion avec un collège d'experts, etc., qui décide que à partir de maintenant, la règle sera celle-ci et qu'on n'accompagne pas cette règle, qu'on n'y met pas du sens derrière, etc., mais en fait, on crée une routine qui définit la santé et la sécurité comme quelque chose de contraignant. Et ça, je pense que c'est vraiment la mauvaise stratégie. Et il y a un autre point aussi que vous avez évoqué tout à l'heure, c'était sur le fait de mettre en place une démarche qui peut être bonne dans une entreprise, elle n'est pas forcément duplicable et du coup, duplicable dans une autre entreprise. Et ça dépend aussi beaucoup des acteurs et comment ils vont le mettre en place. Mais moi, il y a quelque chose qui m'interroge là-dessus, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que la sécurité et le système de sécurité ne reposent pas justement que sur la personne compétente pour la prévention des risques ou le préventeur désigné?
Alors justement, quand je dis que ça dépend, le fait que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, ça dépend de qui met en œuvre la mesure. Je pense surtout au fait que si c'est un professionnel de la santé et la sécurité qui le met en place, ça ne pourra pas marcher. Il faut que ce soit une approche collaborative en fait. Je n'ai pas vu de démarche santé sécurité dans l'entreprise qui fonctionnait si elles n'étaient pas collaboratives. C'est une conviction très 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 forte que j'ai. Il n'y a rien produit dans une salle de réunion. En fait, moi, je suis très, j'ai une démarche très itérative en fait. Moi, au quotidien, j'adore, et ça correspond pas mal à ma façon d'être. J'adore essayer quand quelqu'un a une bonne initiative. On l'essaye, on corrige, on réessaye, on recorrige et on adapte au fur et à mesure. Ça, c'est une approche itérative qui fonctionne. C'est la seule chose que j'ai vu fonctionner aujourd'hui en santé sécurité. À chaque fois que j'ai été amené à passer des semaines à produire des usines à gaz avec un collège d'experts dans une salle de réunion où on a pensé toutes les éventualités, on a tout réfléchi, on a élaboré une procédure, un guide, un système de formation, on l'a déployé. Bah, systématiquement, l'initiative a avorté parce que ça ne peut pas fonctionner, parce que la démarche n'est pas collaborative et parce qu'on a besoin que les personnes qui mettent en œuvre au quotidien soient complètement on board, quoi. Il faut qu'ils soient avec nous dans le même bateau. Qu'est-ce que vous diriez que ça vous a le plus appris de publier ce livre? Faut dire que faire ce travail d'écriture, ça nécessite de passer un peu de temps, de réfléchir aussi à ses propres biais. Donc moi, j'ai des biais cognitifs, j'en ai toujours hein, d'ailleurs. J'ai des biais cognitifs. Ça m'a fait réfléchir aussi à ma façon de voir les choses et me questionner. Et il s'est avéré que parfois, j'avais des choses en tête, j'avais des certitudes qui ne fonctionnaient pas et j'ai pu le m'en apercevoir en ayant ce travail d'ouverture d'esprit qui est pas toujours évident, mais d'aller rechercher, d'aller faire des études statistiques, d'aller lire des études qui avaient été menées par des scientifiques, qu'elles soient psychologiques ou vraiment du domaine de la santé et la sécurité. Et donc j'ai remis en question et aussi de façon pratique en interviewant les entreprises qui sont exposées dans le livre, les entreprises vertueuse. Et donc, en fait, ça a remis en cause beaucoup de mes certitudes aussi, hein. D'accord. Et du coup, c'est ce que vous traduisez dans votre livre et ce que vous servez maintenant aujourd'hui pour ce que vous disiez, votre transformation interne. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, ce Rex-là, je pense qu'il est important et déterminant dans la maturité, pardon, d'une personne et après d'un système. Mais je pense qu'il est pas forcément évident de s'avouer qu'on a une idée préconçue qu'elle est potentiellement fausse et du coup re-questionner après ses pratiques. Oui. À vrai dire, les premières choses que j'ai draftées sur le livre avant d'aller vérifier chacun des éléments, il n'y a rien qui ressemble dans le livre final à ce que j'avais drafté dans la première version. Absolument rien. Ah ouais, la première version, tout est parti à la poubelle. Absolument, oui. Absolument. D'accord, ça c'est intéressant, ça veut dire que vraiment ouais, vous avez été au bout du processus et vous avez tout re-questionné. Exactement. Ok, bah, parfait. On va passer à la partie avec des questions plus courtes. Pour construire ce livre et même dans votre parcours, est-ce que vous vous documentez sur des blogs ou est-ce que vous avez des livres de référence? Alors j'ai beaucoup lu, pas forcément de blog, mais j'ai beaucoup lu de livres et d'études, donc pas mal d'études qui sont disponibles en ligne. J'ai lu, alors parmi les auteurs dans le domaine de la prévention des risques que j'apprécie, c'est donc des livres anglophones, mais il y a Sidney Decker qui a écrit pas mal de choses intéressantes. Il y a Todd Conklin qui a écrit Pre-Accident Investigation. Par exemple. Et puis, je veux dire que je lis beaucoup de livres qui sont pas forcément du domaine de la prévention des risques, mais qui impactent la prévention des risques. Donc, des livres qui permettent de comprendre un peu la psychologie de l'individu, les comportements, les livres qui permettent de comprendre comment fonctionne une organisation, les livres sur la conduite du changement, etc. Donc, j'ai lu du Daniel Pink, Frédéric Laloux, Reinventing Organization, je l'évoquais un peu plus tôt. Des livres tout simples comme Alerte sur la banquise sont hyper éclairant en fait sur la conduite du changement.
Voilà, donc il y a quelques livres qui font référence. Ils sont tous à la fin de mon livre dans la bibliographie. Mais c'est vrai que la plupart d'entre eux sont pas forcément des livres sur la prévention des risques. D'accord. Bah, la partie conduite du changement, bah, si elle fait, enfin, elle n'était pas liée directement à la prévention des risques, mais pour autant, enfin, quand on réfléchit justement en mode De intégré, façon comme je intégrée, disais au début, ouais, ouais. bah, ça a tout à fait son sens. Exactement. Et dans le lot, je ne sais pas si vous, mais je ne me rappelle plus exactement du titre, c'est sur les injonctions contradictoires. Ah, il faudrait que je retrouve le. Il y a un livre qui m'a été conseillé il n'y a pas longtemps, qui est vraiment super sur ce qu'on est capable de demander dans une organisation et la pertinence que ça a. Il faudrait Oui. que je retrouve Alors, le. sur ce sujet, moi, je vous en conseille un de Olivier Lajoux. Qui était d'ailleurs qui a signé une de mes préfaces et qui s'appelle L'art de l'équilibre, D'accord. qui évoque justement toutes les injonctions paradoxales. C'est peut-être ça. Mais du coup, je mettrai les liens dans la description de l'épisode. Et ensuite, sur une partie un peu plus outils, je pensais plus outils ou applications, est-ce que dans votre organisation actuelle, vous utilisez des outils spécifiques? Pas vraiment. Alors, on développe évidemment des outils comme la plupart des grandes entreprises, des outils de reporting d'événements, de reporting des dangers, etc. Sinon, avec mes équipes, j'utilise de plus en plus. Là, ça devient à la mode par les temps qui courent, des outils collaboratifs comme Teams que je trouve formidable. En fait, on peut y intégrer beaucoup de choses. Voilà. Mais sinon, j'ai pas d'outils digitaux en tête qui aient changé ma vie, puisque on est censé sur le travail collaboratif avec les équipes et donc on se satisfait des outils un peu habituels qui nous permettent de travailler ensemble. Je dis ça parce qu'en fait, à la base, cette question, je la pose parce que je sais pas si c'est tout le monde, mais je vois souvent les préventeurs se battre avec des feuilles Excel. Et quand je vois bah justement des outils comme Teams, Slack, les Google Docs ou des choses qui sont bah, plus collaboratives, pardon, mais aussi bah, plus dans notre siècle aussi, je me demande comment ça se fait qu'on finalement on soit un peu le parent pauvre à ce niveau-là, alors on arrive à être innovant sur plein d'autres choses. Ouais, je suis C'est un d'accord. C'est peu. vrai que j'essaye de limiter. Alors, Excel, ça peut être formidable, hein. On peut faire beaucoup de choses avec Excel, mais c'est vrai que j'essaye de limiter. J'essaye de pas avoir un tableau Excel pour chaque application. Et effectivement, avec quelques outils collaboratifs modernes, on arrive à faire beaucoup de choses, à partager nos documents, à travailler de façon collaborative. Et je préfère largement ça à avoir 500 fichiers Excel pour gérer ma direction. C'est clair. Et bah là justement, en ce moment, ça a encore plus de sens d'avoir un outil comme Teams pour pouvoir travailler justement, comme vous le disiez, sur quelque chose de collaboratif. Je trouve que c'est vraiment des belles solutions. Ouais, c'est très bien. Alors, c'est une solution que j'ai découverte assez tard, mais qui est formidable. Et enfin, sur une partie plus tournée vers l'avenir, bah justement, ça peut-être vous a permis de faire un tour d'horizon, donc votre livre. Comment est-ce que vous voyez évoluer le métier de préventeur à moyen et à long terme? C'est pas facile à dire parce que le métier va devenir en fait, enfin c'est ce qu'on en fera en fait. Hein. Donc ça dépend de nous tous. Moi je vois, j'ai une nature optimiste. Moi je vois le métier s'éloigner d'une approche juridique ou technique pour en faire un métier tourné vraiment vers l'humain, vers l'opérationnel. Un métier qui génère l'enthousiasme, qui fédère et puis qui aide à structurer le système de management intégré de l'entreprise. Voilà, c'est comme ça que j'imagine le métier de préventeur, c'est-à-dire vraiment un métier très très humain, opérationnel, enthousiasmant qui structure un système de management. Ouais. Ok, c'est très, très positif. J'espère aussi que ça partira dans ce sens-là. Et enfin, pour terminer, qu'est-ce que vous diriez du coup à quelqu'un qui débute dans le métier ou qui serait intéressé de se lancer dans cette carrière-là?
Moi, j'aurais tendance à encourager toute personne qui voit un intérêt à faire ce métier, parce que c'est un formidable métier, ça, j'ai pas de doute. C'est vrai qu'on rencontre dans ce métier, comme dans tous les autres métiers de l'entreprise, hein, des gens qui peuvent être frustrés ou usés parce que tout ne fonctionne pas comme ils le souhaiteraient, parce que des fois les messages sont difficiles à faire passer, parce que la culture est difficile à changer, etc. Mais je suis convaincu que quand on garde la foi et qu'on a un petit peu de, enfin, qu'on a un savoir-être qui nous permet de rayonner un peu, qui nous permet d'influencer les autres, on est capable de faire des miracles. Et on peut transformer l'entreprise et au passage d'ailleurs sauver quelques vies, ce qui reste la vocation du métier. Donc oui, c'est un formidable métier. Ok, bah, c'était une très belle conclusion. Bah, j'avais pas d'autres points. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ou ailleurs? Ben je suis relativement actif sur LinkedIn et c'est à peu près le seul réseau social où j'ai gardé une activité. D'accord. Et du coup, je mettrai également le lien vers votre profil et j'ajouterai, comme je disais, le lien vers votre livre. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc, merci beaucoup, Mickaël. Merci Alexandre, bonne Et journée à vous et à merci. tous les auditeurs. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez apprécié, vous avez deux manières pour me le montrer. Tout d'abord, en laissant un commentaire et une évaluation 5 étoiles sur iTunes ou toute application de podcast que vous utilisez. Et enfin, en parler à quelqu'un qui pourrait être intéressé, quelqu'un, un préventeur, quelqu'un du métier, à qui vous pourriez recommander ce podcast. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.